Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème du citron et on va peindre une limonade. Allez, c'est parti Je commence par dessiner rapidement un bocal au crayon. Vous pouvez bien sûr faire un verre ou une carafe ou tout autre contenant pour votre limonade. Je vais estomper les traits avec une gomme en effleurant légèrement. Je vais également dessiner quelques rondelles de citron à l'intérieur. et une demi rondelle sur le haut. Je fais également la paille. Voilà, donc pareil, j'estompe les traits avec ma gomme. Ensuite, je vais passer à la peinture et je vais toujours utiliser mon gros pinceau pour peindre et un petit pinceau pour faire peut-être les détails. Je vais prendre du gomme gut. Et je vais commencer par faire les rondelles de citron à l'intérieur de la limonade. Donc là, on n'est pas dans les détails, on fait de manière assez grossière sans entrer dans les détails. On pense aussi à laisser des blancs à l'intérieur pour, pour laisser aérer un petit peu. Je vais rajouter une petite touche de orange tant que c'est encore humide à quelques endroits à l'intérieur et sur les bords. Je vais faire ma dernière rondelle de citron avec toujours les mêmes couleurs. Donc là, je peins vraiment rapidement sans entrer dans les détails parce que je veux que ça reste bien humide pour pouvoir estomper les traits ensuite, vous allez voir, pour faire du flou, il faut que ça reste encore humide. Donc je lave légèrement mon pinceau et je vais venir apporter de l'eau tout autour. Donc je remplis tout simplement mon bocal avec de l'eau. Donc comme j'ai pas complètement lavé le pinceau, il y a un petit peu de couleur qui est restée. Donc on a cette couleur orangée. Et là, donc je viens également euh, par endroit toucher les rondelles de citron pour estomper les bords et avoir cet effet de flou. Je rajoute également du vert toujours très rapidement tant que c'est encore humide pour suggérer des feuilles de menthe par exemple à l'intérieur donc je veux qu'elle reste floue. Je rajoute simplement des petites touches. Donc là j'ai du vert qui a débordé sur mon côté jaune orange, je vais le ramasser avec un chiffon. Je reprends du gomme gut et je vais rajouter quelques légères touches, toujours sur humide, pour apporter un petit peu plus de contraste. Je profite d'avoir ce jaune sur mon pinceau pour faire la rondelle de citron sur le haut de la limonade, exactement de la même manière. Et je vais également faire un citron sur le bas. Donc on imagine qu'il est posé sur une table et qu'on a des citrons à côté. Je fais également un citron coupé en deux par derrière. Rapidement, on est toujours dans la suggestion, je n'entre pas dans les détails. Je rajoute quelques touches d'orange également sur les bords, pas partout, juste à certains endroits pour apporter un petit effet de contraste. Je vais faire également quelques feuilles sur le citron. Et pourquoi pas suggérer de nouveau quelques feuilles, peut-être de citron ou des feuilles de menthe. Je vais sécher le tout avec mon sèche-cheveux pour que ça soit bien sec et pour pouvoir peindre ensuite le bocal. Donc une fois que c'est sec, je vais prendre mon pinceau plus fin pour faire les détails et le bocal. Je vais prendre du bleu. Ici, c'est du bleu royal. Je vais lui rajouter une petite touche de orange pour le griser un tout petit peu. Donc, l'orange étant la complémentaire du bleu, on obtient un gris. Et je vais faire les contours du bocal avec cette couleur très légère. Donc, elle est bien diluée. On veut vraiment que ça soit un gris clair. Sur le haut, je ne vais pas faire tous les traits entièrement, mais je vais venir les suggérer sur les bords. Ensuite, je rajoute une couleur un tout petit peu plus foncée, toujours dans le même bleu, mais plus pigmentée, et je rajoute quelques touches de contraste. Je vais ensuite faire la paille avec toujours du bleu. Ici c'est plutôt du bleu turquoise. Donc je commence par faire un trait bien pigmenté. Ensuite je rince mon pinceau et je viens peindre avec de l'eau en touchant le, le trait. Et donc on obtient comme ça un dégradé. Je vais sécher de nouveau pour faire le fond. Ça, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait vous arrêter à l'illustration. Moi, j'ai envie de rajouter un petit fond. Donc, avec mon gros pinceau, je viens mouiller l'arrière. Et une fois que c'est bien humide, je vais rajouter des petites touches de couleur, du jaune et du orange pour faire un rappel des couleurs qui ont été utilisées pour cette limonade. Et voilà comment on obtient un fond rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous avez rencontré des difficultés. Vous pouvez aussi télécharger votre guide gratuit, Les 7 clés pour réussir votre aquarelle. C'est gratuit. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite!